honneur pour vous souhaiter la bienvenue au milieu de nous. Nous aussi, nous nous sommes déplacés d'une autre ville pour venir de la région parisienne, mais on se sent comme chez nous, ici, par la grâce du Seigneur. Amen. C'est une grande joie que vous puissiez être tous là. C'est une grande fête, en fait, aujourd'hui, qui va être célébrée, parce que ce n'est pas une fête à la dimension de celle que nous connaissons traditionnellement, à savoir les anniversaires, les mariages, les différents événements que nous célébrons. Pourquoi ? Parce que ces événements-là sont figés dans le temps. Un mariage, on peut le préparer pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, ainsi de suite, mais ça dure une journée et ça s'arrête là. Le souvenir reste simplement sur un DVD qu'on verra de temps en temps. Mais par contre, l'événement qu'on va célébrer aujourd'hui, c'est un événement qui non seulement se célèbre sur la terre, mais en même temps dans le ciel. Amen. Ça, la Bible dit que le monde est dominé par le diable. C'est le diable qui colonise ce monde-ci. C'est lui qui nous occupe avec tant de choses. La télévision. Combien de temps on passe devant la télévision? Le temps qu'on passe au travail. Le temps qu'on passe à faire les courses. Le temps qu'on passe dans les transports. Le temps qu'on passe dans la voiture. Toutes ces choses-là. Pour une seule chose. Pour que tu n'aies pas le temps de penser à ce que tu fais sur la terre. À ce pourquoi tu es sur la terre et ce qui t'attend après. Tu peux penser à tout, sauf à ça. Jamais tu ne vas voir une émission à la télé ou un magazine qui va sortir pour te le rappeler. Il n'y a que Dieu qui te le dit. Il n'y a que Dieu qui te prévient par où tu vas finir. C'est la décision la plus importante de la vie d'un être humain. C'est de préparer son éternité parce que nous tous, nous allons devoir passer par là. Un chemin, le chemin du péché. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons non seulement obstacle à nous-mêmes, parce que je ne vais plus avancer, je ne pourrai plus reculer, parce que si j'avance et que je trouve la police devant, j'ai un PV. Peut-être même c'est des points. Si je tourne maintenant, je serai en train de perdre du temps, non seulement à moi-même, mais aussi aux autres usagers de la route. Ça fait donc que lorsque je suis dans le péché et que je n'ai pas la possibilité de sortir de ce péché, qu'est-ce que je fais? Ma vie à moi est bloquée parce que je ne peux pas avancer. Je crois être en train d'avancer alors que je suis dans un sens interdit. Et au bout de ce sens interdit, ce qui est sûr, lorsque tu empruntes le péché, au bout, il y a Jésus qui t'attend et qui te dira, mon fils, lorsque tu étais en vie, tu as roulé en sens inverse du bon chemin. Voilà donc aujourd'hui le PV que je te donne. C'est direct l'enfer. Quel de votre bouche vous dirait simplement, je suis un soldat, regardez-moi, alors que l'autre a l'arme devant lui. Il faudrait bien que je prenne ma Bible, que je puisse la donner à ma sœur, que voici, et lui dire, lis, qu'est-ce qui est écrit dedans? Parce que le simple fait de lire la parole de Dieu, c'est déjà une grâce. C'est pour cela que Satan fait quoi? Satan nous amène à ne pas aimer la parole de Dieu. Amen. Satan amène l'être humain à ne pas aimer la parole de Dieu. Parce que cette parole de Dieu a une puissance. Amen. Amen. Lorsque je vais lire la parole de Dieu, mes yeux vont s'ouvrir sur beaucoup de choses. C'est pour cela que certains prennent la Bible, ils la mettent sous l'oreiller, ils dorment. Ils croient que c'est en dormant sur la Bible que vraiment l'esprit va s'insérer. C'est faux, ce n'est pas vrai. Il faut lire cette parole parce que lorsque tu la lis, elle fait quoi? Elle pénètre en toi. Ce n'est pas sous l'oreiller qu'elle va entrer. Non, c'est en lisant. Lorsque je lis, mon esprit se nourrit et mon esprit combat. Il va maintenant combattre ce qui n'est pas de Dieu et qui est en moi. Amen. D'être unis en ton nom. Nous sommes dans la joie de partager ce moment. Amen. Révèle-toi à chacun d'entre nous, Seigneur. Alléluia. Que ta parole qui est inscrite
dans ce livre soit inscrit aussi dans nos cœurs. Amen. Le désir de notre cœur, c'est de l'appliquer, c'est d'être dans tes plans et non en dehors de tes plans. De Stéphanie, de Noémie, de Emmanuel. Mais est-ce que l'heure de la vérité a aussi sonné dans ta vie? Est-ce que tu as entendu ce que le Père a dit aujourd'hui concernant ta vie? Ou est-ce que tu es déjà passé à autre chose? Ou est-ce que tu as déjà oublié ce que tu as entendu? Nous nous précipitons souvent pour aller dans les enterrements. Il y a un disciple qui est venu, qui a dit à Jésus, « Laisse-moi d'abord, avant de te suivre, aller enterrer mon père. » Mais Jésus a dit, « Toi, laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi, va et annonce le royaume de Dieu. » Voici le véritable enterrement, c'est l'enterrement de l'ancienne vie. Cette vie mauvaise qui ne glorifiait pas Dieu, c'est elle qui va être enterrée maintenant. Et une vie nouvelle va recommencer. C'est le seul enterrement qui est suivi d'une résurrection immédiate. Les morts que nous enterrons restent dans la tombe. Mais seul cet enterrement que nous allons faire sera suivi d'une résurrection, de la vie éternelle, de la véritable vie qui mérite d'être vécue, de la vie avec Dieu, des ténèbres à la lumière. C'est ça la véritable vie. Ce n'est pas celle de ce monde. La figure de ce monde passe. L'herbe fleurit et tombe, mais la parole de Dieu, la parole éternelle, elle demeure éternellement. C'est celle qui va être accomplie aujourd'hui dans les vies. Mais cette parole, est-ce qu'elle retentit dans ton cœur? Ou tu dis, je n'en veux pas de cette parole, mais Dieu te parle encore aujourd'hui. Dieu t'interpelle encore aujourd'hui. Dieu parle à ton cœur parce que tu vas devoir le rencontrer. Dieu te dit, ce que tu vois là, c'est ce que j'attends de toi, que tu t'engages avec moi, que tu viennes parce que ta place est auprès de moi. Ta place n'est pas dans les fétiches, ta place n'est pas dans le concubinage, ta place n'est pas dans l'adultère, ta place n'est pas dans la fraude, ta place n'est pas dans le vol, ta place n'est pas dans le mensonge, ta place n'est pas dans la tromperie, ta place est auprès de moi. Une vie nouvelle, je veux te donner une véritable espérance. Je veux que tu marches avec moi. Mon fils vient, le fils prodigue qui est rentré auprès de son père. Le père l'a embrassé parce que le fils est retourné à la maison. C'est cela même que
que le Seigneur veut pour toi aujourd'hui. Ce que tu vois, ce n'est pas un film. Ce n'est pas un cinéma. Ce que tu es en train de voir, c'est ça la véritable vie. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut même pas voir le royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, je te le dis de la part de Dieu. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas ressusciter. Amen. Tu resteras dans la tombe et tu iras en enfer. C'est ça que Dieu veut te dire aujourd'hui. Mais il ne veut pas que tu ailles là-bas. C'est pour cela qu'il permet que tu vois cela aujourd'hui. Que tes yeux soient attentifs à ce qui se passe là. C'est ce que Dieu te demandera. Qu'as-tu fait? Comment as-tu considéré ce que tes yeux ont vu? Je ne t'ai pas amené en visite. Je ne t'ai pas amené pour voir le cinéma, pour participer à une fête. Je t'ai amené pour te parler. C'est ça que je veux pour toi, mon fils, ma fille. C'est ça que je veux. Que tu passes dans les eaux, que tu te repentes de tes péchés, que tu reçoives ta ma vie, la vie en abondance, la vie nouvelle. C'est cela que je veux pour toi, mon fils, ma fille. Viens auprès de moi. Fais de moi tes délices. Et je te donnerai ce que ton cœur désire. Viens, je vais apaiser tes souffrances. Je vais panser tes plaies. C'est cela que je veux faire pour toi. Abandonne tes voies. Abandonne tes fétiches. Abandonne ce qui est sous ton oreiller. Laisse tomber tout ça. Ça ne va que t'amener des problèmes. Ça va t'entraîner dans la perdition. Jette ça quand tu vas rentrer chez toi. Tu l'entends et tu sais que c'est vrai. Jette cela, ne marche plus avec. La vie n'est pas en cela. Ce sont des fétiches, ça ne sert à rien. Ce sont des calebasses inutiles. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a pas de puissance. La puissance est dans le nom de Jésus. Parce que Jésus n'est pas resté dans la tombe. Jésus est sorti, il est vivant. C'est pour cela qu'il y aura une résurrection maintenant. Que Dieu vous bénisse encore. Et que sa parole puisse retentir encore dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Noémie, est-ce que tu veux recevoir Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur? Est-ce que tu prends l'engagement de marcher avec lui tous les jours de ta vie comme il veut? Maman, est-ce que tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts? Oui. Nous te baptisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Dieu des armées, nous voulons bénir ton saint nom. Parce que ce qui est en train de se passer, Seigneur Dieu, tu l'avais écrit depuis la fondation du monde. Père, nous te bénissons pour que, parce que ton plan dans la vie de Noémie s'est accompli aujourd'hui, Seigneur Père éternel. Nous te bénissons parce que son nom est désormais inscrit dans le livre de vie, Seigneur. Merci parce que son nom est inscrit dans les cieux, Seigneur Père. Merci pour son engagement. Seigneur Dieu, tu vois son âge, tu vois les combats qui l'attendent encore dans sa vie, tu vois les passions de la jeunesse qui sont là, Père. Éternel, nous te prions de la soutenir, qu'elle puisse triompher de tout cela, car tu as dit, j'ai triomphé du monde, Seigneur Père éternel. Oh Seigneur Père, merci parce que tu as cloué à la croix l'acte qui condamnait Noémie, et que maintenant, il n'y a désormais plus aucune condamnation, Seigneur Père, pour Noémie. Merci, Père éternel, parce que maintenant tu la scelles de ton esprit. Seigneur Jésus, fais descendre la puissance de ton esprit maintenant en elle, afin qu'elle puisse vivre une vie complètement nouvelle, qu'elle puisse marcher avec toi chaque jour. Père, s'il advient, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'elle chute, que ta main puissante soit là pour la relever, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, nous te bénissons parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Seigneur Père, remplis sa bouche de tes paroles afin qu'elle puisse être un témoin fidèle au milieu de sa génération, Seigneur Père. Nous te rendons grâce, nous te rendons gloire.
pour son jeune âge, Seigneur Père. Que personne ne la méprise à cause de son jeune âge. Car il n'y a pas un petit Saint-Esprit et un grand Saint-Esprit. Il y a simplement ton esprit qui vient habiter en elle aujourd'hui. Seigneur, merci infiniment pour ce miracle que tu as accompli au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tous les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je sens au sublime mystère que Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur me dit la nuit, le jour, que tu es bon, Seigneur, oh Dieu d'amour. Alléluia, Seigneur. Alors mon cœur me dit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alléluia, Seigneur. Gloire à Dieu. D'abord, elle s'appelle Emmanuel. Waouh! Dieu avec nous. Amen. Gloire à Dieu. Et le Seigneur me fait la grâce de baptiser Emmanuel. Amen. Amen. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci, merci Seigneur. Emmanuel, acceptes-tu Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie? Acceptes-tu la parole de Dieu? Quelle est la parole de Dieu? Qu'elle vient de Dieu et qu'il n'y a aucune autre parole qui est au-dessus de celle-là. Donc lorsque quelqu'un va t'apporter un autre évangile, une autre parole, dis à cette personne que j'ai confessé le jour de ma mort. Amen. Que j'ai accepté la parole de Dieu. Si quelque chose ne se retrouve pas dans la Bible, conteste et rejette cela, parce que c'est cette parole qui va te juger à la fin. Amen. Si tu demeures avec cette parole, si tu l'attaches, inscrite dans ton cœur et tu vis avec ces préceptes, ma fille, ma soeur, le Seigneur Jésus va te sauver. Amen. Et il sera droit et juste devant toi. Amen. Tu auras la vie éternelle. Amen. Est-ce que tu acceptes Jésus dans ta vie? Que désormais tu vas marcher selon ses commandements. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu désormais. Emmanuel. Gloire au Saint des Saints. Gloire au Lion de Juda. Amen. Merci. Je te dis merci. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père éternel, toi le créateur de l'univers, Seigneur, c'est toi qui as créé Emmanuel. Père éternel, nous voulons te rendre grâce et te dire merci, Seigneur, parce que Emmanuel t'a confessé devant le peuple que Amen, tu as créé. Seigneur. Seigneur, tu as dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Oui. Seigneur, Emmanuel t'a accepté devant le peuple. Amen, Père, je te prie afin que son nom soit inscrit dans le livre Amen, de vie. Seigneur, merci, Seigneur tu la préserveras dès son entrée jusqu'à sa sortie. Alléluia. Seigneur, lorsque tu viendras chercher ton église, Alléluia. Père, que le nom d'Emmanuel soit inscrit, que ton esprit règne et vive en elle. Amen, Père éternel, fais descendre la puissance du Saint-Esprit en elle maintenant. Père, tu nous as dit dans Marc 16, verset 17, Alléluia. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. En mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Ma sœur Emmanuel, si un démon se présente devant toi, chasse-le au nom de Jésus. Sœur Emmanuel, si quelqu'un Alléluia. Est malade auprès de toi, pose les mains et que cette personne reçoive la guérison au nom de Jésus. Ma sœur Emmanuel, reçois toute la puissance qui vient de Jésus. Alléluia. Ma sœur, n'accepte pas que quelqu'un te méprise Alléluia. À cause de ta jeunesse. Alléluia. Mais que tu parles dans la vérité Amen. Au nom de Jésus. Nom et de que Jésus. Tout genou fléchisse devant Alléluia. Le nom de Jésus que Alléluia. Tu vas prononcer. Alléluia. Ma sœur, sois bénie et que le nom de Jésus
soit et reste et demeure dans ta bouche. Que Amen, sa parole Seigneur. Reste inscrite Alléluia. Dans ton cœur. Vis avec cette parole et Alléluia. Tu auras le salut éternel. Amen. 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 Merci. Je te dis, Seigneur, merci. Je te dis, merci. Est-ce que tu veux recevoir Jésus dans ta vie comme un Seigneur? Marche à ta suite tous les jours jusqu'à ce que tu te Est-ce que tu reconnais que Jésus est mort à la croix pour toi? Est-ce que tu reconnais que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts? Amen. Je suis là. Au nom de Jésus. Amen. Je te dis merci. C'est toi qui as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur Dieu, tu as vu comment ta fille Stéphanie a éclaté en sanglots aujourd'hui. Parce qu'elle était enfermée par l'autre, Seigneur Dieu, dans toutes sortes de persécutions, Seigneur Père, avec sa famille. Seigneur Dieu, nous voulons glorifier ton nom, parce que tu as entendu ses pleurs, tu as entendu ses cris, et tu es venu pour la délivrer, Seigneur Père, de la prison dans laquelle elle était. Seigneur Dieu, nous te remercions, nous te présentons nos actions de grâce, pour ce miracle que tu as accompli. Merci parce qu'elle est passée de la mort à la vie, Seigneur Père. Que toute son ancienne vie reste dans cette eau au nom de Jésus, Seigneur Père. Oh Père, que la puissance de ton esprit la fasse passer maintenant dans une vie complètement nouvelle. D'une vie sans toi à une vie avec toi, Seigneur Père. Que tu sois le seul guide de sa vie jusqu'à la fin de ses jours, Seigneur Père. Que ta lumière, Seigneur Père, puisse briller dans son cœur, Seigneur Père. Puisse briller, Seigneur Père, partout où elle passera. Père, que ton esprit vienne à son secours pour l'aider à intercéder pour sa famille, Seigneur Père éternel. Merci pour les chaînes que tu délies maintenant. Merci pour les chaînes que tu brises, Seigneur Père. Merci pour les liens ancestraux que tu es en train de couper maintenant dans le nom de Jésus. Merci pour les liens familiaux, Seigneur Père, qui partent maintenant au nom de Jésus. Parce que tu as dit que ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit, Seigneur Père. Merci parce que tu l'as fait entrer maintenant dans la famille de Dieu, Seigneur Père. Merci parce que tu fais passer son ADN charnel pour lui donner une ADN spirituelle, Amen. Seigneur Père. L'ADN de Jésus de Nazareth, Seigneur Père. Merci parce que tu effaces ses péchés et que tu les oublies, Seigneur Père. Seigneur Père, que la puissance de ton esprit vienne maintenant en elle et l'aide à pouvoir vivre une vie, Seigneur Père, qui te glorifie et pouvoir la dégoûter du péché, Seigneur Père. Que ton esprit parle dans son cœur pour l'aider à marcher avec toi tous les jours de sa vie, Seigneur Père. Que sa bouche s'ouvre, Seigneur Père, et que tu la remplisses, qu'elle témoigne ton nom partout où elle passe, Seigneur Père éternel. Seigneur Dieu, scelle-la maintenant de tous les dons spirituels dont elle a besoin pour marcher fidèlement avec toi et accomplir l'œuvre pour laquelle tu l'as sauvée aujourd'hui. Parce que tu ne sauves pas les gens juste pour rien, c'est parce que tu as un plan pour elle. Seigneur Père, permets-lui d'entrer dans le plan que tu avais prévu depuis la fondation du monde pour elle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, je te dis, merci, je te dis. Il roule la pierre du
Accepte-tu que Jésus-Christ est mort, ressuscité et qu'il vit d'éternité en éternité? Oui, je l'accepte. Acceptes-tu la parole de Dieu que c'est elle désormais qui va être ton guide et qui va te conduire dans ta vie de tous les jours maintenant? Oui, je l'accepte. Donc, si quelqu'un t'apporte un autre évangile, refuse-le, rejette-le. Non, parce que celui-là veut ta perdition. Il n'y a que Jésus seul qui sauve. Tu as reçu la vérité et cette vérité va t'affranchir au dernier jour. Amen. Amen. Stéphane, je baptise au nom de Jésus. Amen. Amen. Son nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut. Son nom est écrit là-haut, là-bas. Son nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut. Son nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut. Éternel, notre Dieu, notre Père, Dieu de gloire, de Dieu majestueux. Père éternel, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, il y a la joie dans le ciel. Merci Seigneur, parce que tu nous fais membres de cette fête qu'il y a dans les cieux. Seigneur, c'est toi, Stéphane. Tu as dit, si tu entends ma voix et que tu ouvres mon cœur, ton cœur, j'entrerai et je souperai avec Amen, toi. Seigneur, Père éternel, Stéphane t'a ouvert la porte de son cœur. Seigneur, tu es entré. Alléluia. Désormais, Père, nous avons foi que tu vas montrer le chemin à Stéphane. Seigneur, qu'il ne suivra plus le chemin du monde, mais Seigneur, qu'il va désormais te suivre comme son Seigneur et son Sauveur. Amen. Père éternel, nous te prions de préserver son pied, Seigneur, du mal. Tu as dit, Seigneur, Père, je te prie de ne pas les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Seigneur Jésus, préserve Stéphane du mal. Amen. Seigneur, afin que lorsqu'il chutera même, Père, que ta main le relève. Alléluia. Seigneur, je te prie de lui accorder la grâce de supporter les souffrances de ce Alléluia. Monde. Parce que tu as dit, Satan vous mettra en prison. Vous serez calomniés, vous serez insultés, vous serez injuriés à cause de mon nom. Père, permets que Stéphane accepte cette souffrance pour ta gloire. Alléluia. Seigneur Jésus, rends-le humble, Seigneur. Alléluia. Oh Père, que ta puissance descende Alléluia. Sur lui maintenant. Alléluia. Que ton esprit, Seigneur, Alléluia. Descende sur lui Alléluia. Et fais de lui, Seigneur, un disciple tout accompli. Amen. Seigneur, qu'il Amen. Soit un véritable disciple. Alléluia. Seigneur, non pas un disciple qui va rétrograder Alléluia. Demain, mais un disciple qui va persévérer jusqu'à Alléluia. La fin. Amen. Parce que tu dis, celui qui persévérera jusqu'à la fin, Alléluia. Je lui donnerai la couronne Alléluia. De gloire. Alléluia. Seigneur, réserve Alléluia. Cette couronne de gloire à mon frère Stéphane, Alléluia. Afin que lorsque tu viendras dans ta gloire, Seigneur, que cette couronne lui soit accordée. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, Alléluia. Je t'en supplie. Accorde, Seigneur, tous les dons spirituels Alléluia. À Stéphane maintenant, afin qu'il soit un modèle partout où il Alléluia. Se trouve, dans son Alléluia. Travail, dans sa famille, Alléluia. Auprès de son épouse, Amen. Qu'il soit un bon mari, Alléluia. Qu'il soit fidèle à son épouse, Alléluia. Qu'il soit un bon père pour ses Alléluia. Enfants. Seigneur, accorde-lui la sagesse Alléluia. Et l'intelligence qui Amen. Vient de toi. Père, ne permets pas que le malin puisse le châtier Alléluia. Au-delà de ses forces. Alléluia. Mais Seigneur, conduis-le en toutes choses. Amen. De jour, Seigneur, veille Alléluia. Sur lui. La nuit, veille Alléluia. Sur lui. Veille sur son épouse. Amen. Veille sur ses enfants. Seigneur, accorde-lui
tout ce dont il a besoin pour qu'il te suive fidèlement. Oh Seigneur, ôte l'esprit de convoitise dans son cœur. Ôte tout esprit qui ne t'honore pas. Père, merci parce que tu l'accueilles maintenant auprès de toi. Seigneur, que son nom soit inscrit dans le livre de vie et que ce nom, Seigneur, reste et demeure auprès de toi jusqu'à ta venue. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de Stéphane. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Au Seigneur, nous avons beaucoup de sujets d'action de grâce. Déjà, le fait que le Seigneur nous permette de nous retrouver comme ça. Hier, nous étions ensemble par la grâce de Dieu et nous avions eu à cœur de pouvoir nous retrouver encore aujourd'hui pour passer ce moment dans la présence de Dieu. Et cela a été notre souhait. Cela a été notre projet, mais si nous sommes là maintenant, aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a permis. Hein? Qu'on a vu par exemple avec les combats que la famille du frère Stéphane a eu hier, que tout peut intervenir pour que nous ne puissions pas nous retrouver comme ça. Donc nous sommes là, c'est parce que Dieu nous a fait la grâce de pouvoir être là. Quelqu'un aurait pu se lever malade. Quelqu'un aurait pu avoir un empêchement, ainsi de suite, mais Dieu a permis que chacun d'entre nous, nous puissions avoir la santé pour être là encore dans sa présence, pour honorer le nom du Seigneur et avoir une parole qui continue à nous maintenir en vie et nous entretenir, nous permettre de marcher vraiment en suivant la voie du Seigneur. Comme on a pu entendre hier, écouter hier, c'est vraiment lorsqu'on a le Seigneur dans son cœur, qu'on a la vie, la véritable vie, elle est en Jésus. Parce qu'en dehors de Jésus, on est sur la terre un peu comme quelqu'un qui ne sait pas où il va, qui tâtonne, et qui ne sait pas qu'est-ce qui vient après. Mais quand on a le Seigneur Jésus, on est vraiment en paix. On a un itinéraire qui est déterminé par le Seigneur et donné dans sa parole. Et on sait exactement ce qu'on fait sur la terre, là où est-ce qu'on va, le plan du Seigneur pour notre vie. Il nous le déroule au fur et à mesure et on marche dans ses voies. Donc vraiment, ce sont de multiples sujets d'action de grâce. Et nos bouches ne peuvent pas se fermer devant une telle grâce, sachant que le Seigneur, depuis que nous sommes en vie, nous respirons tous les jours. Regardez la lumière qui est là. À la fin du mois, la sœur va recevoir une facture pour cette lumière-là. Autant l'eau qui coule là, elle va recevoir une facture. Mais le Seigneur ne nous a jamais envoyé une facture pour la respiration qu'il nous donne tous les jours. Dans ça, vraiment, ne serait-ce que ça, c'est un sujet d'action de grâce. Quand on se lève en santé, le Seigneur ne va pas nous envoyer une facture à la fin du mois pour dire... Bon, toi, tu as été en santé 31 jours sur 31, donc voici la note que tu dois payer. Non, ça, il nous le donne gratuitement. Donc, le minimum que nous pouvons faire, c'est de lui dire merci. C'est le minimum, parce que c'est un cadeau immérité. C'est pour ça qu'on parle d'une grâce. La grâce, c'est un don immérité. Aucun d'entre nous n'a mérité. Ce que nous avons mérité, c'est le jugement de Dieu. Parce que chaque jour, nous marchons loin du Seigneur. Mais le Seigneur nous accorde quand même cette grâce-là de continuer à être en vie, les patients encore, comme la parole de Dieu nous dit dans Pierre, que dans 2 Pierre, que dans les derniers temps, les gens se moqueront. Quand on dira que Jésus revient bientôt, les gens vont se moquer. Mais par contre, le Seigneur, même comme les gens se moquent,
il retarde son avènement pour que le maximum puisse être sauvé, pour que le maximum de personnes puissent entendre la parole de Dieu, pour que le maximum de personnes puissent échapper à l'enfer. Alors que les gens se moquent, mais le Seigneur encore retarde son avènement, il aurait pu dire, bon, vraiment, en face de ces moqueurs-là, je vais revenir comme ça, ils verront bien que ce n'est pas une blague. Mais le Seigneur prend encore patience, ne voulant qu'aucun ne périsse. Il veut que plusieurs personnes, le maximum, prennent encore place dans l'arche. L'arche qui est vraiment l'église du Seigneur qui va être enlevée, parce qu'on sait qu'après ça, il viendra des jugements sur la terre. Et le Seigneur ne veut pas que les êtres, les créatures qu'il a pris le temps de faire puissent subir ces événements-là. Donc tout ça, ce sont des sujets d'action de grâce. Hein. Ça, c'est vraiment pour nous donner quelques éléments. Parce que souvent, quand on dit on va passer un moment pour prier, pour rendre grâce au Seigneur, souvent les bouches sont fermées. On dirait qu'on ne sait pas quoi dire à Dieu. Donc c'est pour ça que je prends quelques instants pour balayer simplement comme ça quelques éléments de la vie concrète de tous les jours devant lesquels parfois on ne prête pas attention, mais en fait on n'a pas mérité ça. Dieu nous l'accorde comme ça gratuitement. Donc c'est pour ça que prendre le temps de lui dire merci, ça serait le minimum que nous puissions faire. Que Dieu soit béni. Dans la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 26, donc peut-être certaines personnes qui n'ont pas l'habitude peuvent être troublées par la manière dont le culte va se passer, parce que bah, déjà le cadre dans lequel on est n'est pas le cadre traditionnel, on n'est pas dans un grand bâtiment avec la cloche à l'entrée. Ça, c'est pas comme ça que l'église que Jésus a créée, que Jésus a instituée doit fonctionner. Donc on essaye vraiment de s'appuyer sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc déjà l'église qui est décrit dans la parole de Dieu, se réunissait dans un cadre simple comme celui-ci, c'est-à-dire dans une maison où les gens qui sont unis par la même foi en Jésus-Christ se réunissaient pour adorer Dieu, prier le Seigneur, partager la parole de Dieu dans la plus grande simplicité. Parce que la vie chrétienne, ce que Jésus est venu apporter sur la terre, ce n'est pas une religion. Parce que s'il fallait créer une religion, Jésus aurait pu rester dans le ciel et envoyer un prophète qui aurait prêché tout ce qu'il a dit là. Ça serait suffisant pour créer une religion. Mais Jésus a voulu apporter, je ne sais pas qui l'a voulu, il a apporté une nouvelle vie, une façon de vivre concrète. C'est pour ça qu'il est descendu pour vivre sur la terre. Non seulement pour mourir sur la croix, mais aussi pour vivre afin de nous donner un modèle. Pour nous montrer comment est-ce que concrètement, pratiquement, dans la vie de tous les jours, nous devons vivre. Donc, pour recevoir l'enseignement de Jésus, le cadre le plus simple, c'est le cadre habituel de la vie de tous les jours. C'est dans une maison que nous passons, à part dans notre travail, ainsi de suite, mais c'est à la maison que nous sommes. Donc, nous partageons la parole de Dieu dans le quotidien de tous les jours, parce que la parole de Dieu, en fait, n'est pas dissociée de notre quotidien. Elle est associée à notre quotidien. Si nous allons simplement dans un lieu pour recevoir la parole, c'est comme si nous allons rencontrer Dieu quelque part et nous le laissons là-bas, nous repartons. Non, c'est vraiment dans notre cadre de vie habituel que nous partageons la parole de Dieu parce qu'elle fait partie de notre vie. Amen. Voilà. Et une famille, la famille de Christ qui est l'Église, une famille ne vit pas dans un bâtiment là-bas, une famille vit dans une maison. C'est pour ça que je dis mon frère, ma sœur, on s'appelle frère et sœur. Les frères et sœurs d'une famille vivent dans une maison. C'est aussi simple que ça. C'est pourquoi ce sont des raisons pour lesquelles l'Église se réunissait tout simplement comme nous sommes là à la maison. Et donc, comment doit se passer une réunion chrétienne? C'est donné dans 1 Corinthiens chapitre 14 pour ceux qui ont leur Bible. Parce que nous savons bien, on va lire des versets tout à l'heure, que souvent Jésus parlait à des foules qu'il rencontrait sur son chemin. Il parlait à des foules, mais après, Jésus prenait les disciples à part et il leur donnait l'enseignement. Donc, je vais lire deux versets à propos, déjà avant de prendre 1 Corinthiens 14, pour comprendre pourquoi est-ce que le culte déjà va être différent de celui qu'on a eu hier.
Prenons Marc, l'évangile de Marc, chapitre 7. Évangile de Marc, chapitre 7. C'est important, vous avez vu les versets que nous avons partagés hier vers la fin, quand il y avait du tumulte au milieu du peuple, de Jean 12, verset 48, qui dit que c'est cette parole qui te jugera le dernier jour. De 2 Timothée 3, verset 16, qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre. Donc, c'est pourquoi tout ce que nous faisons là, nous devons le montrer dans la parole de Dieu. Parce que vous êtes en droit de dire, mais pourquoi ils sont là comme ça? Ils font des choses que nous n'avons pas l'habitude de voir dans les lieux de culte où nous partons. De grâce. Déjà, le fait que le Seigneur nous permette de nous retrouver comme ça. Hier, nous étions ensemble par la grâce de Dieu et nous avions eu à cœur de pouvoir nous retrouver encore aujourd'hui pour passer ce moment dans la présence de Dieu. Et cela a été notre souhait, cela a été notre projet. Mais si nous sommes là, amen. Le juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Et lorsque nous venons au Seigneur, le fait pour nous de devenir juste devant Dieu, ça, cela ne dépend pas de nous, parce que ce n'est que Christ. C'est Christ seul qui fait de nous des hommes justes devant Dieu, parce que nous connaissions notre état où nous étions. Donc c'est parce que Christ nous a rachetés déjà, parce que nous l'avons déjà accepté dans notre vie, nous avons déjà pris Christ et nous avons dit, désormais, c'est toi qui es mon Seigneur, c'est toi qui es mon Sauveur. Et comme Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, et Christ a dit, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est moi qui vis en toi. Lorsque je me présente devant le Seigneur, il voit un juste. Dieu voit le juste que voici celui-ci. Quand je le regarde, au lieu de voir mon visage, il voit plutôt Christ qui vit en moi. Il dit, celui-ci est juste. Donc nous, nous sommes justifiés. Et il dit maintenant que le juste vivra par quoi? Par la foi. C'est très important parce que lorsque nous sommes enfants de Dieu, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Il y a beaucoup de choses que nous n'arrivons pas à faire. Pourquoi? Parce qu'il nous manque la foi. Jésus à la croix a dit, tout est accompli. Il nous a tout donné. Mais le cœur, l'homme est toujours en train de chercher entre la chair, tirer quelque chose de la chair, tirer encore quelque chose de Christ, tirer encore quelque chose de la chair. Et ce combat est perpétuel en nous. Pour mes jeunes sœurs, ça va être peut-être les moqueries des camarades. Oh, regarde, pourquoi vous êtes comme ça? Oh, pourquoi vous êtes devenu comme ça? Oh, pourquoi ceci? Mais sachez une chose. Vous êtes juste devant Christ. Ces personnes ne sont pas justes devant Christ. Ce que vous allez faire, vous ne le ferez pas parce que cela ne dépend même plus de vous. Parce que c'est Christ désormais qui vit en vous. C'est Christ qui va vous maintenant amener la nouvelle vie. Ce que vous allez vivre maintenant, c'est une nouvelle vie, c'est un nouvel apprentissage
Vous êtes dans une nouvelle école. Et il a bien dit, si vous demeurez en moi, alors on verra chaque jour le changement s'opérer dans votre vie. Mais si vous l'abandonnez, si vous commencez encore à dire, ah non, les gens se sont moqués de moi aujourd'hui parce que j'ai voulu prier avant de manger. Parce que même à l'école, si tu veux manger maintenant, tu as un plat, il faut que tu couvres ta tête, que tu fasses ta prière. Amen. Et quand tu vas le faire, tes camarades vont se moquer de toi. Mais si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu as choisi la voie de tes camarades plutôt que la voie de Christ. Amen. Parce que Christ te dit quoi? Si tu te présentes devant lui, oh, tu sais que lorsque je me présente devant Christ, je vais peut-être prier maintenant. Même s'il y a 10 000 camarades autour de moi, il faut que je prenne un foulard, que je le pose là, que je me prosterne devant Christ, je finis, je retire et je commence à manger. Par contre, tu vas voir tes autres camarades, dès qu'on lui présente le plat, boum, 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 boum. Et ça fera une différence. Parce que s'il y a quelqu'un qui est placé là et qui vous regarde, la personne peut se rapprocher de toi et te dire, mais pourquoi tu as fait ce que tu as fait? Et tu lui diras, c'est parce que je suis un enfant de Dieu, j'ai la crainte de Christ. Et tes camarades, tu ne sais pas comment le Seigneur peut t'utiliser toi pour convertir même tes camarades qui sont à côté de toi. Parce qu'une personne, quand elle va voir que tu fais cela, peut-être une première fois, elle va laisser. Une deuxième fois, une troisième fois, forcément, il va commencer à chercher comment tu vis, comment tu marches. Peut-être que tu ne parles pas mal à tes camarades. Quand il y a des problèmes, tu cherches à leur apporter des conseils, tu cherches à leur... Et ça, tout à l'heure, le frère a dit que lorsque tu es dans une famille... Il a pris l'exemple d'un homme ou d'une femme. À un moment, on commence à te demander, est-ce qu'il y a même des enfants qui arrivent? Est-ce que ceci... Tu peux faire des enfants étant encore jeune. Amen. Seulement en faisant cela, en marchant de cette manière, en restant soumise à Christ, vous pouvez faire des enfants. Spirituels. Hein? Des enfants spirituels. Des enfants spirituels, ça veut dire que les gens vont voir votre manière de vivre et ils chercheront à venir à Christ au travers de la marche que vous avez eue. Parce que quand tu vas commencer à marcher bien, les gens chercheront à copier et tu verras des gens qui vont te demander, mais est-ce que moi aussi, comment est-ce que moi je peux faire pour devenir aussi comme vous? Voilà des gens que vous avez amenés à Christ. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça vraiment le travail que vous avez à faire maintenant. Le Seigneur n'appelle pas, c'est pas pour rien que le Seigneur appelle et des enfants et des grandes personnes à lui. C'est parce qu'il sait que vous êtes maintenant les ambassadeurs. De la même manière, mon frère aussi, qui est parti de Madrid, il est arrivé à Lyon. Le hasard n'existe pas chez le Seigneur. Le hasard n'existe pas chez le Seigneur. Tu es né avec trois sœurs. Maintenant, que feras-tu de ces trois sœurs? La femme, je ne permets pas à la femme d'enseigner la parole de Dieu. Est-ce que tu pourras mettre maintenant ce verset en pratique? Le Seigneur t'a donné trois sœurs. Qu'en feras-tu? Est-ce que tu vas te dire, je suis à 60 km, non, moi je ne peux pas me déplacer, je suis à 200. Non, ils vont se débrouiller. Non. Le Seigneur vous a fait naître et on a dit, nous sommes une famille. Donc désormais, tu dois veiller sur les soeurs. Je ne sais pas si tu as dans la chair. J'ai mes soeurs. Je sais que ma soeur, elle vit. J'ai des soeurs qui sont à Ebolova. J'ai des soeurs qui sont à Yaoundé. Je connais, je sais partout où se trouve. Mais... Tu n'es pas un homme pour mentir. Les parents ne reviennent pas à quoi d'avoir accompli ce pourquoi ils sont saints. Merci infiniment, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Je possède, il s'est sacrifié pour moi.
attaché, attaché. Il est puissant, 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 alléluia, alléluia. Il est puissant, alléluia, alléluia. Il est vainqueur, il est vainqueur, il m'a vaincu, il est vainqueur, oh, il est vainqueur, à la croix, il est vainqueur, alléluia, alléluia. Il est vainqueur, alléluia. Alléluia, alléluia, il m'a aimé, alléluia, alléluia, il m'a sauvé, oh, il m'a du péché, il m'a sauvé, je suis sauvé. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Pendant qu'il mangeait. Et le symbole du repas, ah vraiment on peut manger, hein, pendant que je parle.
le symbole du repas a vraiment une signification. Parce que l'Église, c'est une famille. C'est vraiment dans l'esprit de famille. La famille prend un repas ensemble, pas simplement une coupe et du pain comme ça. Non. Pendant que la famille est en train de passer un moment de communion familiale ensemble, comme nous sommes en train de le faire dans la présence de Dieu, alors Jésus va prendre du pain. Et donc, comme le frère le disait tantôt, il va prendre du pain comme cela, sans levain. Pourquoi c'est du pain sans levure? Parce que, en fait, ce pain représente le corps de Jésus, le corps du Seigneur. Donc, et le corps du Seigneur est un corps sans péché, parce que Jésus n'a jamais péché. Et la levure dans la parole de Dieu, le levain, autant pour moi, c'est le symbole du péché. C'est pour ça qu'on prend un pain sans levain qui représente le corps sans péché du Seigneur. Et il y a tout un enseignement spirituel derrière cela. Parce que dans les traditions juives, par exemple, en tout cas orientales, de façon beaucoup plus générale, en fait, le pain était présent dans tous les repas. C'est l'image, effectivement, du péché qui est dans notre vie de façon quotidienne. De la même façon que le pain est présent dans tous les repas. Seulement, quand on partage le repas du Seigneur, nous sommes dans la sainteté de la présence du Seigneur dont le péché doit être absent. Donc quand quelqu'un mange du pain sans levain, ce n'est pas juste pour être des religieux, c'est que la présence de ce pain-là sur notre table nous enseigne que nous devons renoncer au péché, que le péché ne doit pas être présent dans nos vies. C'est pour cela que ce pain n'a pas de levain, pour nous enseigner que si d'habitude nous mangeons le pain tous les jours, du pain levé, il doit disparaître, le péché doit disparaître dans notre vie, afin que notre vie soit véritablement sans levain. Donc ça, c'est la signification. C'est pourquoi Jésus, en fait, c'était pendant la fête des pains sans levain qu'il a partagé le repas avec ses disciples. Donc, effectivement, le pain qui était sur la table de Jésus était nécessairement sans levain. Voilà. Donc, ça, c'est le symbole parce qu'il faut vraiment comprendre ce que nous faisons. C'est important de le comprendre. Sinon, après, nous allons être des pharisiens qui faisons des choses sans comprendre pourquoi est-ce qu'on les fait. Donc, il faut vraiment que cela ait un impact dans notre vie pratique de chaque jour. Amen. Qu'est-ce que tu veux boire? Jus d'orange? Eau plate? Eau pas plate? Pas toujours. Ah, moi je bois, je sais pas, je bois de la gazeuse. Pas plate. De la ciando. De l'eau gazeuse? Ouais. Tu veux des nuggets de rouge? Mmh. Ou rouge? Merci. Non, mais c'est non. Pardon? Non, oui, non. De l'eau, là. Le frère a expliqué le message, le message qui se trouve derrière le pain du repas du Seigneur. Nous savons que sa mort, alors qu'il était en train de manger avec ses disciples, il a pris le pain, il a rompu et il a donné à ses disciples en leur disant : ceci est mon corps livré pour vous. Ce corps, nous savons tous, qui a été flagellé, ce corps qui a été cloué à la croix, Jésus nous appelle, nous tous, à prendre part à cette croix, à nous souvenir de cette mort de Christ
C'est pour cela que lorsque nous nous rassemblons dans la communion fraternelle et que nous parlons de Jésus, souvenons-nous que Christ est mort à la croix pour moi, Christ est mort à la croix pour toi, Christ est mort à la croix pour nos péchés. C'est son corps qui est passé à la croix, alors que en principe, ça devait être le mien, ça devait être le tien. Et Jésus donc a pris le pain, il a rompu ce pain et il a donné à ses disciples afin que tous puissent être vraiment non seulement des témoins, mais aussi ceux-là qui participent à cette souffrance que Christ a endurée à la croix. Donc, il a pris le pain, il a rendu grâce. Nous aussi, nous rendons grâce au Seigneur pour ce pain. Père éternel, nous voulons te dire merci et te rendre grâce pour ce pain, Seigneur, que tu nous donnes aussi aujourd'hui. Nous, tes disciples, Père, afin que nous prenions part à ta mort, Seigneur. Nous avons foi, Père, que cet acte que tu as accompli avec tes disciples, Seigneur, soit à ta mort. Père, cet acte aussi est en train de s'accomplir aujourd'hui. Seigneur, nous avons foi que par ce pain que nous allons consommer, Seigneur, que nous prendrons véritablement conscience de l'œuvre que tu as effectuée à la croix pour nous. Père, ne permets pas que l'un de nous puisse manger ce corps indignement. Mais Seigneur, que nous soyons dignes et justes devant toi lorsque nous prenons ce pain. Sanctifie-le, purifie-le et permets qu'il nous donne davantage de force pour continuer le combat au nom de Jésus. Au nom Amen. De Jésus. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi. Je viens à toi, Jésus, je viens. Je viens à toi tel que je suis. Prends-moi, longtemps j'ai loin de sa face, provoquer son saint courroux. Fermer mon cœur à sa grâce, blesser le sien devant tous. Jésus, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi, alléluia, alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé, pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité, Jésus, je viens, Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi, alléluia. Plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité, Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis.
je viens à toi. Accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma sœur.